une violence injustifiée, disproportionnelle, s'est abattue sur les résistants délicidés, sur le peuple congolais. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs blessés par balles réelles, comme vous pouvez constater les débris des balles qui sont restés dans les sièges délicidés. Comme l'honorable Clément nous va vous donner les détails, nous avons aujourd'hui une trentaine de blessés, dont 5 blessés graves, parmi lesquels un combattant délicidé qui a vu ses jambes broyées par balles et il se trouve présentement dans un centre hospitalier de la place. L'autre aussi a vu le policier loger une balle dans sa jambe. Jusqu'à présent, la balle est à l'intérieur de sa jambe. Les médecins sont en train de se battre pour soutirer cette balle. Nous condamnons avec la dernière énergie cette barbarie injustifiée contre les militants pacifiques de notre parti, SID, qui ne réclament rien d'autre que les consensus, les compromis, les discussions directes entre les parties prenantes, avant toute discussion sur la loi électorale.